Franchement, j'ai niqué le club ce soir. J'ai foutu la merde. J'aurais pu gagner ce trophée tranquille à moi tout seul, mais j'ai préféré que ça se passe autrement. La soirée, elle aurait pu être magnifique. Griezmann, il se relance bien. Il avait mis un doublé. On était bien dans le match. On aurait pu faire du sale. Et moi, au moment où mon équipe avait le plus besoin de moi, au moment où j'aurais pu être le plus décisif possible, eh ben j'ai frappé un homme. J'ai frappé quelqu'un. Et le pire, c'est que j'en ai strictement rien à faire. J'ai même pris du plaisir à faire ça. C'est pas un truc que je fais souvent de frapper les gens. Et je vous cache pas que j'ai pris un maximum de plaisir quand j'ai fait ça. Je pense même que je vais réitérer cet exploit. Parce que voilà, c'est vrai que ça coûte un carton rouge, mais bon, c'est le prix à payer. Et je suis prêt à reprendre un carton rouge pour revivre ce moment. Parce que franchement, j'ai ressenti un truc encore plus fort que quand je mets des buts. Pendant un court instant, je me suis senti au-dessus des autres. Je me suis senti super fort. J'avais une force qui se dégageait de moi que moi-même je ne connaissais pas. À ce moment-là, je pense que j'étais l'homme le plus fort du monde. J'aurais pu me taper contre n'importe qui, je l'aurais marave. C'est le premier carton rouge que j'ai reçu dans ma carrière, et je pense que ça sera pas le dernier. Ça m'a complètement ouvert l'esprit, cette faute que j'ai faite. J'ai kiffé le moment. Ça m'a montré qu'on pouvait prendre du plaisir différemment dans le football, et qu'il n'y avait pas que les buts dans la vie. Là, si tout se passe bien, je vais commencer à m'entraîner avec des grands criminels, des grands combattants, des mercenaires de guerre, et je vais commencer à devenir un ouf. Vous allez voir, la baston, ça me parle maintenant. Avant, je connaissais pas ce truc-là. Avant, j'étais plus une victime. Je subissais les coups et j'allais me plaindre chez l'arbitre. Maintenant, c'est 2021, c'est carré, ça a changé. C'est les gens, je les mets par terre et c'est eux qui pleurnichent chez l'arbitre. Après, je peux vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant ce match. Voilà, c'est un geste assez technique que j'ai fait. C'est pas un geste que je maîtrise encore à la perfection. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même régalé les fans et je l'ai fait quand même avec une certaine maîtrise. Parce que voilà, à l'entraînement, je m'entraîne à tirer, à faire des passes, des passements de jambes, des gestes techniques. Et maintenant, je suis habitué, je sais tout faire. Donc voilà, je commence à m'entraîner à me taper. Et voilà, aujourd'hui, j'ai performé sur le terrain. Ça a divisé les gens, mais voilà, le débat reste ouvert. Voilà, c'est 2021, c'est le nouveau football, on progresse. Faut commencer à s'habituer à ce nouveau Messi. Maintenant, il y aura plus de coups, moins de techniques, et voilà. Faudra pas s'étonner si dans les prochains matchs, vous me voyez agresser quelques joueurs, leur mettre quelques droites, quelques balayettes. Ça sera tout simplement des nouveaux gestes que j'ai appris à l'entraînement. De toute façon, mon histoire avec le Barça, elle est bientôt terminée. J'en ai marre de ce club, j'en ai marre de tout le monde. Il me reste que quelques temps à tenir et je me barre d'ici. Ça sera juste un mauvais souvenir, tout ce que j'ai vécu au Barça. Tous les grands joueurs, ils sont partis de leur club en offrant un dernier gros titre à leur équipe. Moi, je vais partir en mettant une grosse droite au président.